Nothing is moving at the moment because the migrants are in the tunnel. Comment? Oui, mais est-ce que vous avez une autorisation? Come from train here and tomorrow inshallah try again in the train. So the police sometimes treat us very bad treating. So sometimes they rush that something. So, and sometimes they beat us in order to go away. Toutes les nuits, il y a des gens qui sont blessés, qui sont emmenés par les pompiers à l'hôpital, d'une part. Et d'autre part, il y a effectivement énormément de témoignages de violences policières. Donc il y a effectivement les accidents de passage dans les navettes ou des gens percutés par un véhicule, etc. Mais il y a des gazages en grande quantité. Et il y a des passages à tabac par la police, oui. C'est un Soudanais, probablement entre 25 et 30 ans, qui a été heurté par un camion qui descendait de la navette où lui essayait de monter. Le système d'asile français marche toujours aussi mal. Quelqu'un qui veut demander l'asile ici à Calais, il doit attendre 4 mois dans le bidonville pour son premier rendez-vous. Ensuite, il doit attendre 1-2 mois pour avoir une proposition d'hébergement, s'il en a une. Éventuellement, s'il a ses empreintes digitales dans un autre pays, il doit attendre 6 mois de plus pour que les autorités françaises deviennent responsables de sa demande d'asile. Donc le nouveau bidonville, c'est un lieu de stockage pour demandeurs d'asile aussi.